Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons utiliser l'addon NodeWranger afin de nous faciliter la vie sur l'application des textures sur des objets 3D. Alors, cet addon, comment ça fonctionne? Nous allons aller dans Edit, dans les préférences de Blender et nous allons aller dans Addon. Dans Addon, ici, nous allons cliquer et nous allons sélectionner Node. Et le seul addon qui est présent ici, c'est le NodeWranger. Nous allons cocher cette case et nous allons refermer cette petite fenêtre. Alors, nous allons supprimer le cube de base en appuyant sur la touche Delete du clavier. On va faire Shift A dans les mèches, nous allons importer un plane. Nous allons scaler notre plane de manière générale. Ensuite, nous allons aller dans le shading. Ok, ici, nous allons cliquer là, faire un clic droit et on va cliquer sur Join Area. Nous allons cliquer ici. Par la suite, nous allons appuyer sur la touche N toujours. Vous voyez que là, il n'y a toujours rien d'extraordinaire. Nous allons refermer cette petite fenêtre. Alors, nous allons cliquer sur New afin de créer un nouveau matériel. Après avoir créé un nouveau matériel, nous allons appuyer sur N cette fois-ci. Et s'il y a une option qui est venue, c'est notre addon que nous avons précédemment activé, le NodeWranger. Alors, nous allons cliquer sur Add Principal Setup afin d'ajouter des textures. Alors, on va aller sur le bureau et nous allons sélectionner le dossier qui contient nos différentes textures. Niveau explication, l'ambiance occlusion ne va pas être prise en charge par le NodeWranger. C'est une texture qui a pour rôle d'améliorer le réalisme d'un rendu. La color, ça représente la couleur de notre texture. Le displacement va représenter les informations de hauteur de notre texture. La normal map, les informations de relief. Et ensuite, la roughness pour dire si notre objet est rugueux ou pas. Alors, on va sélectionner toutes ces textures. Et nous allons cliquer sur Add Principal Setup. On ne sélectionne pas l'ambiance occlusion parce qu'il n'est pas pris en charge, mais on peut aussi le sélectionner, ça ne va pas déranger, tout simplement parce que le NodeWranger est assez intelligent pour savoir qu'il ne prend pas en charge ce dernier. Alors, après avoir sélectionné toutes ces textures, on se rend compte qu'ils ont été bien appliqués sur notre plane. Alors, si on regarde la surface de notre plane, on se rend compte qu'elle n'est pas lisse. Alors, pour le rendre plus lisse, nous allons mettre une color ramp sur notre roughness afin de mieux la contrôler. Pour cela, on va cliquer sur Add. On va aller dans les convecteurs et dans les convecteurs, on va sélectionner notre color ramp. On va mettre notre color ramp ici et nous allons étirer tout simplement ici. Nous allons aller dans le layout, nous allons cliquer ici. Et nous avons ceci. Alors, on revient dans le shading. Et ici, dans le shading, nous avons également la possibilité de manipuler un peu les informations de relief de notre normal map. Alors, pour manipuler ces informations de relief, nous allons nous intéresser sur le node normal map. Alors, ici, nous avons la valeur 1 de base par défaut. Nous allons mettre la valeur 2. Vous voyez que certaines informations de relief ont été ajoutées. On peut également mettre la valeur 4. Ça augmente encore 5. Ça augmente encore plus. Mais pour des raisons de réalisme, nous allons mettre la valeur. Pour terminer, nous allons voir que le dernier
node qui a été ajouté ici en bas, le node de displacement, ne sert pas à grand chose sur cette configuration, raison pour laquelle nous allons l'enlever. Nous allons également l'enlever ici. Vous voyez que lorsqu'on l'enlève, ça ne modifie rien à notre texture. Alors on va se cliquer ici là, ensuite delete. Et nous avons cette configuration. Alors ce node a été développé afin de nous faciliter la vie sur l'application des matériaux sur des objets. Vous voyez que si nous avons un gros projet, que tout le temps d'importer des textures image ici, et ensuite d'importer les colorants, et ensuite des normal maps, une texture coordinate et le mapping, tout cela, ça va être plus ou moins long. Alors le node-wrangler nous facilite la vie en nous proposant cette approche. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de commenter tout simplement parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye!